l'artiste chinoise Chevet Zhang est l'invité d'honneur de la maison Louis David cet été. Son exposition sur le thème « À quoi les femmes pensent-elles ?», à la fois candide et provocatrice, dénonce la société de consommation en Asie. Pour l'artiste, il s'agit là de sa première exposition en solo, à découvrir jusqu'au 16 août. Et je viens de Chine, Mongolie intérieure, c'est dans la région du nord de la Chine et ma ville de naissance c'est Baotou. Et je fais 4 ans d'école de Beaux-Arts en Chine, à Pékin, et après j'ai fait 2 ans à Dijon, en France. Aujourd'hui c'est la première exposition de mon personnel de toutes mes œuvres sur le sujet de « À quoi les filles pensent-elles ?». Cette titre, ça vient d'un poème, ancien poème de Chine, qui parlait d'un général qui s'appelle Moulin, qui est très connu dans l'histoire de dessin animé de Disney. Voilà. Et c'est une personne qui présente le féminisme en Chine. Très important. Et du coup, cette série de tableaux, j'ai choisi ce titre pour jouer un peu les jeux de mots dans le titre et aussi j'ai caché un peu d'éléments symboliques dans mon tableau pour présenter des phénomènes dans la vie contemporaine. Et maintenant, comme on vit dans un monde de consommation, les gens sont obligés de dépenser l'argent ou chercher les marques pour se sentir un peu fort ou avoir une position très importante dans la vie sociale. En fait, je suis très très heureux et très content d'avoir cette chance d'être ici en Darnos-les-Pins. Et en même temps, je suis un peu stressée parce que j'ai vraiment peur que c'est la première fois que je ne fais pas assez bien. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont tenté mon exposition. J'aimerais que les gens soient contents avec tout ce que j'ai fait.